Dans cet épisode, nous allons parler de la soif de réussite. Ça commence à être intéressant. Vous savez, un entrepreneur, il ressent toujours le besoin d'accomplir et contribuer à rendre les gens meilleurs en trouvant les solutions aux problèmes. Il y a quelques années, on pensait qu'on ne pouvait pas nous passer d'énergie renouvelable. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Je dirais même la donne a complètement changé. Hein. C'est-à-dire avec l'ère des voitures électroniques, les smartphones, les montres intelligentes, les intelligences artificielles ont avancé. Les technologies ont même complètement changé le monde. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut être riche. Déjà, il y a beaucoup de gens qu'on peut prendre comme exemple. C'est-à-dire que sur Internet, Amazon, Facebook, Dropshipping, toutes ces plateformes-là peuvent rendre riche. Sans compter qu'on peut quasiment tout savoir si on sait comment chercher ou être informé en temps réel. Alors, pour un entrepreneur, il rêve grand. Il ne se contente pas d'aider quelques personnes. Il veut toujours aider le plus grand nombre et si possible, aider tous ceux dont sa solution peut atteindre, où qu'il soit avec ses produits ou services. Alors pour vous, si vous nous écoutez, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez créer une valeur ajoutée, car vous offrez un avantage unique à vos clients. Donc du coup, votre produit ou votre solution peut combler un manque sur le marché. Comme disait l'Américain Mark Twain. Il le résume bien quand il dit c'est parce qu'il ne savait pas que c'était possible qu'ils l'ont fait. Alors je pense que vous comprenez bien. Si vous avez des idées révolutionnaires ou alors si vous pensez simplement à entreprendre une petite activité, commencez d'abord à imaginer tout l'impact que votre solution peut apporter au monde. Alors un jeune issu d'une famille pauvre, ses camarades se moquent de lui. Mais lui, il a préféré se plonger dans les livres, travailler dur et devient l'étudiant le plus brillant de son université. Il a même fini par conquérir une grande partie de l'Afrique. Alors il a dit que si un arbre doit frayer un chemin à travers les rochers pour grandir, pour atteindre la lumière du soleil, vous devez être certain ou certaine que ses racines seront fortes et son bois résistant. Donc de ce fait, la nature nous prouve aussi qu'il est possible, voire qu'il est impossible de réussir sans rencontrer une déchirure faite par ce qui l'accroche. C'est-à-dire tout ce que vous, dans tous les domaines, si vous souhaitez entreprendre, il y aura des difficultés. Ce n'est pas, ça va pas être tout le temps facile. Il y aura des difficultés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, c'est à vous de savoir vous accrocher et puis vous en sortir. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de réussite sans adversité. Le meilleur de votre responsabilité se témoigne au moment où vous pourriez vous décourager d'arrêter.